Salut tout le monde les gars, c'est Cosmic. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu eh bien, enfin, pour moi tant attendu, c'est-à-dire Black Ops 2. Donc je vous ferai une autre vidéo qui vous fera, enfin une vidéo qui vous fera voir comment est le jeu. Donc là tout de suite je vais faire une petite MME pour vous faire voir à quoi ressemble le jeu. Donc pour l'instant je joue avec la Vector avec un viseur que je n'ai pas testé encore. Et un silencieux. Bon, là je tombe direct dans une partie. Parfait, parfait, parfait. Donc c'est parti. Drone, une map où je vais jouer snipe, on va dire. Je vais vous faire voir un Beauté là. peu le rôle de bonne gâchette dans ce jeu. Regardez bien. Regardez, bonne gâchette. Voilà. Donc Flash Cop, c'est difficile, difficile. Donc je vais rescoper un peu parce que ça passe pas très bien. On va vous. Enfin, je vous dis ça comme ça. Voilà. Et d'un kill. Désolé du petit arc. Bon, là, vous voyez le temps que ça fasse. Ouais, ça met longtemps. Donc, je joue avec ça. Et en secondaire, un petit TAC-45 s'appelle. Oula. D'accord. Bon, ça me prend sur le côté. Un peu de temps. Bon, ok, donc là j'en suis un peu, on va dire. Attention, J'en ai vu mon un ennemi partir en par là. approche. Hop, voilà, flash cop. Fait vite fait. Petit marqueur. Ça rentre toujours ces petits marqueurs. Hein. Tire de loin, mon petit. Hop, flash cop. Ah, pardon. Là, j'ai voulu hardscoper, mais je suis pas un très bon hardscopeur, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je suis pas très bon au hardscope. Je vous promets. Oh non! Ouh, du bol que ce soit, que ça m'a planqué. Donc là, ça a campé. Je fais du 4 pour 5. Hein. Dans ce jeu, vous pouvez pas faire beaucoup de parties positives au snipe, je vais vous dire. C'est très très compliqué. Aïe! Marqueur. Allez, allez. J'ai cru voir quelqu'un passer là, je pense. Donc, je voulais vous remercier d'avoir regardé mes petites vidéos, hein, comme toujours. J'ai débloqué un drone. Ah, le temps que je recharge. Je déploie mon drone. Hop, c'est parti. Donc, ce jeu, je le trouve vraiment bien. Perso, moi je le trouve bien. Après, ça plaît à qui ça veut. Hein. On est reparti. Donc, après, prochainement, je vais vous faire ma petite vidéo qui va vous présenter eh bien, mes défis en fait, en quelque sorte, les défis que je voulais faire. Donc, lui là. Il me fait stresser un peu. Où c'est qu'il est parti là. Mon allié en approche. Drone ennemi en approche. Okay. Hop là, flash cop un peu à l'arrache, on va dire. Marqueur. Ah bon. Donc je lui dis 10 pour 7, je renvoie mon drone. Donc oui, je dis ce jeu, moi pour moi il est bien. Les flash cop. J'arrive à les rentrer, mais c'est très très difficile. Pour moi en tout cas. Sur les autres jeux, je vous ferai voir de quoi je suis capable. Je suis assez bon, je veux dire. Je suis pas un Diablo X9 ou un truc du genre, mais je suis bon, on va dire. Ça comme ça.
Donc voilà. Attention, drone ennemi. Ah, oh, j'aurais dû peut-être utiliser mon couteau de lancer que j'ai. Je fais du 19, j'ai 1-11 de ratio pour l'instant dans la partie. Tarscope. Désolé, mais bon. Une balle à mort. Je suis passé niveau. Et voilà! On retrouve ça dans tous les Call of, la Campouze! On l'attendait avec impatience, la Campouze est de retour dans le jeu Call of Duty! Ok, c'est pas toi que je voulais avoir en hardscope, mais c'est pas grave. Attention, drone de chasse ennemi en approche. Drone de chasse ennemi, je. Bon, revoilà encore notre. Ah non, c'est le drone de chasse ennemi, regardez! Bim! Et il y avait toujours notre petit campeur. Nous faisons. Je fais du 11-11. Ok, hop, j'ai débloqué ça. Donc, ce snipe ressemble un peu au Barrett, sauf que celui-ci est à verrou. Je le trouve bien. Après, je vais bien sûr utiliser mon petit balista, je pense. À moins que je reste sur ce snipe. J'ai pas chemisé tout dessus, je suis pas mal. Hop, allez, on est sont partis. Il n'y a plus personne par là-bas. Comme ça vite fait. Bon, voilà. Nous faisons un ratio, je baisse, je baisse, je baisse petit à petit. Pour que je ne baisse pas trop quand même. J'ai envie de vous faire voir une belle partie de moi-même. Donc qu'avons-nous par là? Rien. Partons, hop, Attention, hop, hop, hop. drone ennemi en approche. J'aime pas trop être comme ça tout seul. Je ne sais pas trop où ils vont spawner. Ça me fait flipper. Nous perdons en plus notre équipe. Donc oui, prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur mes projets et tout. Après, une petite présentation peut-être du mode zombie sur Black Ops 2. Peut-être. Après, ben, vous saurez tout dans dans les vidéos projets. Non! Et regardez un petit peu la kickam finale que je meurs et je fais que du 0,96 de ratio. Je suis tout pas content. Parce que j'aurais vraiment pu l'avoir. Je ne sais pas comment il m'a vu. Mais bon, voilà quand on tombe contre des gens qui jouent comme ça. Enfin, à l'arme et toi tu joues au snipe. Donc là, je suis en train de poster ma vidéo partie 4. Et bien, partie 4 Minecraft, notre survie avec mes potes. Là, après, je vais vous faire comme prévu une petite présentation du jeu, c'est-à-dire les menus principaux et tout. Et je ne sais pas si j'ai le temps de faire une autre partie. Je vais tenter sur cette map, Hijacked. Je pense pas. Si on tombe pas dessus, je stoppe. Parce qu'on retombera sur drone. Si on tombe dessus, j'essaye de tourner, ce qui, j'espère, marchera. Donc, voilà. Après, je vais vous faire voir un peu comment cela se tourne dans les choisir les classes. Donc, en haut, comme prévu, les 10-10, c'est-à-dire l'emplacement, j'ai 10 sur 10, c'est-à-dire j'ai un garde-main, une crosse rétractable. Nous sommes sur drone, je suis désolé, nous allons quitter. Donc, prochaine vidéo, comme prévu, je vous dis ça, mes projets, tout, tout, tout. Allez, merci et à plus. Ciao!